Yeah. On Montreal Expo. C'est beau. No mysterious on it. Yeah, hey, Expo, baby. Un début de deuxième tiers explosif, comme dimanche soir. C'est les petits réglages entre les deux tiers qui font que ça permet de donner plus de visibilité à tes attaquants. Ouais, honnêtement, ça n'a pas été des réglages tactiques. D'accord. C'est qu'on, involontairement, lorsqu'on fait face à une équipe amoindrie, on a tendance à ne pas attaquer le match avec peut-être la même intensité qu'une équipe comme Gap, Rouen ou ces trucs-là. Donc, on a dominé le premier tiers, mais il manquait encore un petit quelque chose pour être des bons compétiteurs, malgré le fait qu'il était amoindri. Et le début du deuxième tiers, c'est seulement une réaction, en mettant plus de pression, à notre niveau à nous, qui a créé ces choses-là. C'est tout simplement une réaction de leur part qui a fait que le début du deuxième était très bien. Le premier tiers était bien aussi, mais il manquait un petit peu d'intensité au niveau du premier tiers. Et cette réaction s'est faite naturellement ou tu as eu quelque chose à dire à tes joueurs entre les deux tiers? C'est clair que je leur ai parlé de ça. Ils le savaient, mais sans rien dire de truc exceptionnel ou j'ai pas gueulé non plus, hein, ça n'a rien à voir. Je leur ai dit, puis ils ont réagi, puis c'est ça qui est le plus important. Le score aurait pu être plus lourd avec ces 3-1, si tu n'avais été pas exploité finalement. Oui, non, on n'a pas été bon en supériorité numérique. Le score aurait été plus lourd, malgré que moi j'ai trouvé que Yadlovski a fait un bon match pour eux, c'est un gardien d'expérience, c'est un très bon gardien de but. Je crois, par chance, il était là ce soir aussi, il a tenu quand même, on va dire, la baraque. Il y a 2-3 double arrêts qui sont un peu impressionnants. Oui. Parce que le score aurait pu être plus élevé s'il n'y avait pas eu un Yadlovski en forme quand même ce soir. Justement, le troisième tiers, c'était plus de la gestion finalement, plus de, ouais. De la maîtrise. Oui, gestion de tourner l'effectif au maximum. On a joué beaucoup de matchs au mois de janvier. Donc, il nous en reste encore un samedi. Donc, c'était un peu partager le temps de glace pour tout le monde et sortir de là avec un peu plus d'énergie. Donc, c'était l'objectif. Concernant justement le temps de glace de tes joueurs, tu as pu jouer quasiment tout le match à Kathleen, ouais. Avec ouais. Josh Hunden qui n'est pas présent sur la feuille du match, mais ouais. Est-ce que tu es satisfait du rendement justement de tous tes joueurs, et notamment des jeunes qui ont pu récupérer du temps de glace sur ce match? Absolument, les jeunes ont eu leur temps de glace, beaucoup plus de temps de glace que d'habitude, je suis conscient, ils ont bien fait, je suis très content de leur performance. Justement cette deuxième victoire de suite, c'est symbolique, c'est bien pour la confiance et... Toujours, oui. À chaque fois qu'on gagne des matchs, c'est toujours bon pour la confiance. C'est le deuxième de suite, malgré qu'on en a quand même plusieurs les derniers matchs. Et c'est bon pour la confiance, pour attaquer les playoffs. Et c'est bien aussi pour préparer le déplacement à Brest aussi, j'imagine. Absolument. Même oh, si, oui. Même si, voilà, oui, absolument. C'est le dernier match, on sait que la base n'est pas facile, donc on y va avec la confiance sur une bonne lancée, puis on va aller chercher 3 points ici samedi pour le dernier match du championnat. Justement, Grenoble est à 2 points derrière Angers. Ils ont gagné aussi leur match ce soir. Ouais. Donc le match de Brest est décisif pour la 3e place. Et décisif pour la 3e place, oui. On va là-bas pour récupérer ces 3 points. C'est clair. J'ai pas de doute là-dessus. C'est les 3 points, comme à chaque match, de toute façon. Je l'ai dit toute la saison. Même ce soir, il n'était pas question de laisser un point sur la table, comme on dit. Et ça va être pareil samedi. L'effectif sera au complet avec le retour de Josh ou c'est pas encore Josh, ce n'est pas une certitude à l'heure où on se parle. What a game tonight, 3 goals, what do you think of your game tonight? I think we started off pretty bad in the first period, but then we woke up in the second period and then started to play as we can and as we should. And yeah, scored a couple of goals and did pretty well. Your last 2 goals were very similar in the way you moved the puck. Can you give us the feeling you had in your head when you were scoring at that moment? I don't know if I've had any feeling. I just feel like it just came natural.
So I don't know, he just came in. I got lucky two times there and got him in five holes, so that was good. You're ending your season with a lot of goals, and your beginning of the season was kind of tough. Can you give us your feeling about the season you had with the team? Yeah, as you said, it was tough in the beginning. You know, I knew it was going to be tough. It's tough to come in late sometimes, and yeah, hopefully these goals are going to give me some confidence and bring that into the last game now, and hopefully bring it into the playoffs as well. So you're ready for the playoffs? Yeah, for sure. I'm ready. Lots of goals for us? Hopefully. I'm gonna do my best and try to keep it up and help the team to win some more games. And to win the cup? Of course. That's what we're aiming for.